Depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs à l'Antivio qui branchent tout partout dans le moment ça. C'est un grand plaisir pour montrer la caillou dans le moment ça pour me permettre de vivre un gros événement qui a déroulé dans la cour pays d'Haïti qui c'est Goût et Saveur la caille. Qui s'allie? Goût et Saveur la caille, c'est un festival gastronomique qui est organisé dans le pays d'Haïti depuis 3 années. Festival ça, nous capable dire c'est un partenariat entre secteur privé et secteur public haïtien qui gagne pour objectif mettre en valeur et culture nationale ou du moins production locale. Donc nous capable dire c'est pratiquement une activité qui gagne pour objectif mettre en valeur cuisine créole haïtien avec tout ça li capable porter en termes de retombées économiques non seulement pour agriculteurs, producteurs mais acte restaurateurs. Donc c'est une activité nous capable dire qui déroulé en 3 grands moments. Premier moment, c'est une soirée et nous capable dire de dégustation qui déroulé dans l'hôtel Caribé. Deuxième grand moment, c'est une semaine activité qui a déroulé dans divers restaurants dans Port-au-Prince et qui participait dans le cadre festival ça. Et troisième moment qui pourra clôturer là, c'est pour Lyon et nous capable dire un marché local qui va dérouler sur place Saint-Pierre dans Pétionville. Pour nous commencer, les amis et téléspectateurs, nous avons invité et pratiquement et suivre avec nous la soirée dégustation qui était déroulée dans l'hôtel Caribé. Nous sommes capables de dire que c'était plus passé 27 chefs avec normalement et 23 restaurants qui étaient mobilisés dans le moment ça pour être capable et permettre nous capables de dire participants yo normalement jouir bon saveur avec bon et goût la caille. Et donc c'était une soirée spéciale qui était réuni plusieurs centaines de participants. Donc kounye la amis téléspectateurs, nous va permettre de vivre tout déroulement activité ça, soirée dégustation ça dans l'hôtel Caribé que tu pourras voir toute belle image plat qui est normalement t'est préparé dans le moment pour être capable de faire bonheur tout participants. Nous avons un gratiné de Nambi. Nous avons tout un bail qui est très intéressant. Par contre, nous avons c'est Petit Mien avec John John. Et puis là, nous avons une julienne de Paul à la sauce goyave. Et là encore, nous avons un coquillage passion. C'est un signature drink que nous avons. Donc, soit les coquillages, quand même, nous avons commandé l'objet. Je dis à moi préparer une nouvelle recette que moi composée. C'est un gratin de Petit Mien aux fruits de mer. Chaque fois que quelqu'un vient là, il goûte, il fait il dit que c'est bon, il dit bon, ou qu'il que il y aller. Alliance culinaire haïtienne aux États-Unis qui descend là, nous venons porter 2-3 bagages pour nous enjoy là. Nous faisons un ceviche avec mon lambi boucané, qui vient de nana avec papa et la donne. Nous avons un poisson que nous faisons tout, poisson chitasu en ravioli. Mais la violette, c'est avec une patate douce que nous faisons. Il y a besoin d'ingrédients que vous habitué avec eux localement. Et puis tout, mais nous présentons de formes différentes. Mais je suis que l'année prochaine, nous l'avons quand même. Parce que ça, c'est une destination qui est liée. Ça qu'a fait là, c'est un très intéressant qui a amené tout le monde à expérimenter la culture haïtienne. Bon, très important parce que l'homme voyage, c'est deux bagages qui allaient pour eux. Ils allaient pour le site touristique avec manger le pays. Donc, si manger nous élevé, nous avons plus intéressé pour venir dans le pays. Premièrement, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. Nous connaissons l'école de cuisine. Nous avons 60 ans l'année prochaine d'existence. L'école-là ouvert. C'est ma maman qui a ouvert l'école-là, Marie Devarieux 1. Et Kounia, moi, c'est Anne-Marie Devarieux tout. Et je continue. Et puis, je suis petit peu capable de cuisine. Il y a 2 petits monde qui tout, c'est domaine. Et là, ça, ouais, je dis, arrangement yo, avec les fleurs en pommes de terre. Et là, les élèves de la promotion sortante qui ont préparé ici des plats typiques haïtiens avec des produits essentiellement haïtiens. Là, je joins tout ce qui a trait à la cuisine, au savoir-vivre, la décoration des gâteaux. Et nous avons aussi la couture, la haute couture. Et bien, la maison ménagère, à l'origine, maman m'a dit une femme qui possède ses 10 doigts est un trésor inépuisable pour son foyer.
Maintenant, nous avons beaucoup d'hommes. Donc nous disons qui possède ces 10 doigts. Est un trésor inépuisable pour son foyer. Pour son foyer comment? Ce n'est pas seulement pour la maison, mais ça veut dire qu'avec ça, la femme n'a pas travaillé et vient indépendant financièrement. Vous connaissez que la cuisine dans son paquet de bagages. Et nous pensons que nous sommes les premiers monde dans le pays qui défendent les métiers manuels. Nous protégeons, nous toujours valorisons. Depuis 60 ans, nous valorisons. Nous sommes la première école privée en Haïti de ce genre. Et nous valorisons les métiers manuels depuis 60 ans. Nous avons en pile d'importance et nous sommes fiers de cette affaire. Moi, quand nous la souhaitons, nous croyons que son métier d'avenir lié, son profession, son bel bagage, la cuisine, tout ce qu'elle aime, tout ce qui concerne les droits, c'est quelque chose et c'est ça qui est capable de faire avancer le pays, nous de toute façon. Gastronomique, ça qu'a fait en Haïti, Miami, la caille, bonsoir. Haïti, nous là, c'est là pour là. Manger haïtienne en valeur. J'espère que tout commandite à l'MTV est là avec ma soeur. Mais en tout cas, bien content que l'MTV là avec nous à couvrir l'événement ça. Ce événement extraordinaire en Haïti. Quand mettez Haïti dans l'autre valeur, et comme vous êtes, festival là en plein, bon manger à frapper, son bel bagage, chef Stéphane avec nous, donc pas de problème. Je pense que ce qui est vraiment spécial là, c'est que vous n'avez pas qu'un chef, chef haïtien, chef qui sort États-Unis, qui sort Miami, qui sort de l'autre côté, chef haïtien qui est dans le pays, qui collabore ensemble, restaurateur collabore ensemble, pour faire un événement à ce niveau-là. Donc je pense que c'est ça qui est spécial là. Mais comme je dis, même pour moi, ce qui est intéressant, c'est manger. Si nous voulons manger, si nous voulons goûter un petit mi avec John John, avec Lambi, avec Chat Rouge là-dedans, nous voulons manger. Nous avons une gastronomie qui est extraordinaire. Et moi, je voulais que l'on parle de gastronomie haïtienne, l'on parle de manger haïtien, je ne parle pas de griot avec Banane Brésil, avec du Cola Bois Rouge. Nous voulons plus que ça. Nous avons un paquet de l'autre bagaille. Et même c'est ça que je veux plus. Je veux que diaspora pays nous réalise, mais que le public international aussi réalise que Haïti a un paquet de bagaille pour l'offrir. Je veux que la cuisine haïtienne rentre dans une cuisine reconnue dans le monde. Pour moi, si c'est le travail ça, que le festival a réalisé, eh bien, nous faisons ça que nous faisons. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'Hôtel Caribé, côté que nous permettons de suivre le déroulement et festival Goût et Saveur la Caille. Deuxième journée du festival, ça a été marqué par un très bel atelier qui a été déroulé dans l'Hôtel Caribé avec chef Gilles Tolène. Il y a un peu de participants qui ont été mobilisés pour apprendre plusieurs recettes dans le cadre d'atelier cuisine. Ça. Nous allons inviter à suivre ensemble avec nous. Qui ça a été passé? Ça, on est devenu populaire, la télé maintenant. Vous avez vu? Bon, bref. Là, on a une salade. La salade, moi, ce que je conseille toujours, ça dépend de ce qu'on veut. La salade, je conseille de la faire toujours un petit peu avant, peut-être 2-3 heures avant, pour qu'elle puisse le temps de relâcher un peu d'eau.
Donc là, les saveurs vont se mélanger, les goûts vont se mélanger. Et puis c'est toujours intéressant. On peut le laisser. Non, frigo. Une salade, normalement, il ne faut pas qu'elle soit trop froide, mais il faut que ce soit rafraîchissant. C'est-à-dire que s'il fait 50 degrés dehors et qu'on mange une salade à 50 degrés, ça ne s'appelle plus une salade, ça s'appelle un sauté. D'accord ? Donc là, on a tout tapé. Concombre, tomate, les légumes, juste sel, poivre, huile d'olive. Tout à l'heure, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va, à la fin, on va peut-être râper un petit peu de zeste de lime, de citron, voilà. Ok ? Donc pour l'instant, hop, on l'oublie. On l'éponge déjà toujours un petit peu. Vous voyez, le magret, généralement, il arrive. Bon, celui-là, il est assez propre, mais il arrive toujours avec du gras. Ok ? Le gras, il y en a qui l'enlèvent, il y en a qui le laissent. Là, il y a tellement peu de gras qu'on va le laisser. Ok ? On va juste retirer la petite membrane, le nerf, et je vais le garder de côté pour l'instant. Donc là, dans la croûte d'épices. Allô ? Là, dans la croûte d'épices, tout de suite, on va déglacer le caramel avec la sauce soja. Ok ? On le déglace pour la simple et bonne raison que si vous ne le déglacez pas, le caramel va continuer à cuire. Ok ? Hein ? Juste soja, juste vraiment ouais, une petite pointe. C'est vraiment assez pour juste. Faut pas sucer. Oh, c'est bon, c'est parfait. Ouais, c'est bon. Quelle quantité de soja que j'ai mis ? Vas-y, je te dirai. Vas-y. Encore. Non, il prend de la peau. Encore, un petit peu. Hop, c'est bon. Ça. Ah, c'est pour chef. Là, ça fait à peine 30 secondes que je l'ai mis, il y a déjà le gras qui sort. Voilà pourquoi on fait sans huile, ok ? Donc, Johan, il faut pour le toucher, le magret, plus il va cuire, plus il va durcir. Donc, le magret, pour le toucher, vous voyez, quand il est mou comme ça, c'est qu'il manque de cuisson. Donc là, on va continuer à l'arroser gentiment. À un moment, il faut baisser le feu, comme j'ai fait là, et vous allez y aller un peu plus relax, un peu plus gentiment. Là, j'ai une très bonne question. On me demande si on peut utiliser du poulet pour faire ça. On peut utiliser du poulet, garder le pilon, mais attention avec le poulet, là il faut bien le cuire. C'est-à-dire qu'il faut le commencer et le terminer au four. Bon, on apprend à faire un tourne à tataki et un canard. On magret de canard d'épices, en croûte d'épices. Est-ce que avant tu as une idée de comment on fait préparer place à eux? Non, jamais. J'aimerais même manger, oui. Même pas de qui j'en pour me préparer. Mais est-ce que et pratiquement et parmi les recettes qu'on apprend aujourd'hui, il y a des recettes qui sont typiquement haïtiennes là-dedans? Bon, non, pas vraiment. Bon, à part, il y a des saveurs haïtiennes là-dedans, oui, mais ce n'est pas des bagailles que nous avons l'habitude de manger en Haïti. Ok, mais comment trouver dans l'ensemble atelier ça? Super, extraordinaire. Est-ce que, et pratiquement, qui s'est passé comme suite, est-ce que vous êtes prêt pour le partager cette ça ou en famille, avec des amis? Ça, c'est sans problème, avec impatience.